à des inondations catastrophiques. Les pâtes crues. Oui. Dans le Calvados, à Oulgat, avec des averses encore ce matin. Oh oui, regardez ces images prises hier soir, en semaine, mais également du week-end. La Pyrénées-Atlantiques est placée sous surveillance avec de fortes pluies attendues. L'épisode a commencé hier et va se poursuivre au moins jusqu'à ce soir. On attend sur l'ensemble de l'épisode l'équivalent d'un mois, un mois et demi de pluie. Ça va déborder également sur les Landes avec donc de fortes pluies ce matin en allant vers le Pays Basque. On retrouve également une perturbation entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore en allant vers l'est, vers la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore en redescendant vers le Lyonnais. La pluie est au rendez-vous ce matin avec en prime le retour de quelques flocons de neige au-delà de 1800 mètres, 2000 mètres d'altitude. On retrouve un temps assez nuageux sur la façade ouest et puis dans l'après-midi, ce sera globalement l'amélioration avec un temps assez nuageux. Vous aurez quelques orages, quelques giboulées, notamment entre la Loire-Atlantique et la Normandie. Donc situation à surveiller une nouvelle fois. Et puis ces fortes pluies qui vont se maintenir également autour dans le sud-ouest ou encore en allant entre la Côte d'Azur et la Corse avec donc un temps assez instable, moins de vent et toujours du grand beau temps si vous êtes à Marseille ou encore à Montpellier. La suite du programme, les températures assez fraîches ce matin, regardez en moyenne 5 degrés en Champagne ou encore 12 degrés pour Toulouse et puis dans l'après-midi les températures restent toujours en dessous des normales de saison, 13 degrés seulement à Nancy ou encore du côté de Besançon, 17-18 degrés pour le Pays Basque avec, je vous le rappelle, le maintien de la pluie, seulement 15 à Grenoble et tout de même 25 degrés pour Bastia. Alexandre. À Alexandra Blanc. Non mais c'est ça aussi. Alors, le direct, hein, parfois, voilà. Bien, les nouvelles restent à peu près les mêmes, hein, toujours un temps automnal ce week-end, agréable, et puis dimanche, soleil au nord. Voilà, on a été complet. Millau, Alexandra Blanc, Lomé Guillot.